monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer l'organisation de mes strass. J'avais déjà posté quelques vidéos sur la chaîne, j'en ai posté l'année dernière, j'en ai posté cette année, je crois qu'il y en a une que j'ai postée cette année et là je veux continuer parce que en ce moment en fait j'ai des strass dans un classeur, j'ai des strass là-dedans, vous voyez, dans ce gros truc. Et en fait, je veux avoir une meilleure façon, où je veux mieux organiser les strass. Donc, ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est que j'ai pris tous les strass qui ont des DMC. Donc là, par exemple, si j'ouvre ça, vous voyez, j'ai des strass que j'ai achetées sur AliExpress qui n'ont pas de DMC, comme par exemple le Saphir, le tanzanite, des trucs comme ça. Et après, j'ai des strass avec des DMC comme celui-là où il y a marqué 163 dessus. Donc, en fait, tout ce qui a des DMC, ce que je veux faire, c'est les mettre avec mes diamants ronds et carrés là-dedans. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait ce système parce qu'il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Donc, pour ceux qui souhaitent voir comment j'ai réalisé ça, je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran qui va apparaître. Et je pourrais aussi vous mettre le lien sous la vidéo. Mais en gros, c'est juste une boîte pour, je crois, où on met des photos à la base. J'ai fait deux divisions et j'ai marqué sur des feuilles les DMC. Vous voyez, là, ça commence au 601. Et ensuite, je mets les sachets de diamants carrés, de diamants ronds. Et je rajoute les strass. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, les strass que j'ai rajoutés. Donc là, je ne sais pas s'il y en a. Oui, il y en a un là, par exemple. Vous voyez le 610. À chaque fois que je rajoutais un strass là-dedans, j'ai écrit sur la feuille que j'ai juste là. Enfin, écrit, j'ai mis un petit checkmark. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet très facilement si vous marquez dans Google « The DMC Shoppers Checklist ». Et ça vous liste tous les DMC. Je crois qu'à la base, c'est fait pour le point de croix. Mais moi, j'utilise ça pour le DP. Et vous voyez, en haut, j'ai marqué « strass rond ». Parce que les strass carrés pour l'instant j'en ai pas beaucoup, je crois que j'ai 5 DMC donc je ne vais pas le faire, mais pour le rond oui, et j'ai la même fiche pour mes diamants ronds et mes diamants carrés. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, on va regarder tous les strass qui sont en dessous du DMC. Qu'est-ce que j'ai là? Le dernier que j'ai là, c'est le 869. Donc, on va aller jusqu'au 869. Je vais me prendre un petit papier et l'écrire. Parce que sinon, je sens que je vais oublier. Ok, donc j'ai dit 869. Je vais garder ce petit papier juste à côté de moi pour me rappeler. Parce que moi et ma mémoire... Voilà, là, comme ça. Et tout ce qui est au-dessus de 869, on le fera dans une autre vidéo. Donc, première chose que je veux faire, je vais mettre ce... l'autre contenant à côté. Donc ça, je peux le mettre pour l'instant ici. Ça, je vais le fermer parce que tout ce que je veux faire pour l'instant, c'est voir si là dedans en fait j'ai des strass avec un DMC plus petit que le 869. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un bleu, donc je vais le récupérer, c'est le DMC 163. Là, j'ai pas de DMC, j'ai des strass que j'avais acheté sur AliExpress encore en cristal, et j'en ai d'autres en plastique mais pour lesquels j'ai pas de DMC. Là j'ai le 597 996, on le fera dans une autre vidéo. Là j'ai rien, là j'ai rien non plus, là non plus. Ça, je vais le transférer dans un autre classeur après, mais pas dans cette vidéo je pense. Ah, 444, je vais le récupérer. Là, j'ai pas de DMC, là non plus. Qu'est-ce que j'ai là? Non, là j'ai rien non plus. Là non plus. Non. Ça, c'est plutôt des noms qui ont été donnés. Vous voyez, serveur, cristal... J'ai pas de DMC là-dessus. Et là non plus. Ok, donc j'ai juste récupéré trois strass qui ont des DMC qui sont là et qu'on va classer du coup dans la boîte et on va marquer là-dessus qu'est-ce que j'ai récupéré. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est regarder là-dedans.
dans ce gros truc. Et ce que je vais faire au fur et à mesure, c'est classer ça. Donc à côté de moi, j'ai deux autres tupperwares. J'ai celui-là et celui-là. Mais je peux pas tout mettre en vidéo, on s'entend. Là, c'est, j'ai pas de place. Donc je veux mettre dans un tout ce qui a des DMC et dans l'autre ce qui n'a pas de DMC. Donc vous voyez par exemple Light Amethyst, Green Flame 4 Round. C'est plus pour faire une organisation préliminaire en fait, avant de savoir où est-ce que je vais les mettre. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas de DMC. Donc ça va aller dans peut-être le petit pot noir. 720, c'est en dessous de 869. Donc on va le faire dans cette vidéo. Je vais le mettre là pour l'instant. Je pourrais bouger ça comme ça et mettre ça. Mettre ça autre part. C'est ça, je suis limitée avec la place que j'ai. Alors là non plus, j'ai pas de DMC. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Vous voyez, là, j'ai un strass qui est carré. Est-ce qu'on le voit à la caméra que c'est carré? Si la caméra veut faire la mise au point. Alors, attendez. Vous voyez, c'est un strass carré. Donc, ça... c'est ça que je dis. Il faudrait que j'imprime une deuxième fiche comme ça pour le carré. Mais pas, on va pas le faire maintenant. On va le faire plus tard. Mais alors, en revanche, ça, c'est un DMC. Donc, je vais le garder dans le bac ou dans le contenant pour lesquels on a un numéro DMC. Là, on a un numéro DMC. Ça, c'est un strass métallique. Pour lequel j'ai pas de DMC. Là, j'en ai un. Là, j'en ai un. Mais ce sont des DMC trop grands. Là, j'ai le 666. Donc ça, ça peut aller avec les DMC. Ça, c'est sans DMC. Vous voyez, j'en ai pas mal qui n'ont pas de DMC. Hein. La vidéo, elle a coupé. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé, mais elle s'est coupée. Pourtant, le téléphone, il est chargé là, mais je sais pas. Donc oui, je disais que ça se pourrait que ça, je puisse les combiner. Tous ceux qui n'ont pas des DMC, plus tard, en fait, quand on les range, on va les ranger. Ça se pourrait qu'il y en a que je puisse combiner. Vous voyez, comme par exemple ces deux-là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et on le fera plus tard, ça aussi. Là, il y a un DMC. Alors attendez, parce que là il y en a pas mal sans DMC, donc je vais récupérer tout ça. Ça, ce sont des strass que j'avais récupéré, vous savez, des projets partiels que je fais à diamants spéciaux. Là, j'ai un DMC et ça rentre dans le pas de DMC. Là, j'ai des DMC. Là, non. Alors attendez, ok, là j'en vois plein sans DMC. Je vais prendre cela, ça, 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 ça non plus, ça on n'a pas. Là, il y a des DMC, mais on va pas les faire aujourd'hui. Ensuite, ça, ah oui, alors ça, je l'avais acheté sur AliExpress et je l'avais mis dans un gros sac comme ça de Ever Moment. Mais je pense que je vais le mettre dans des petits sacs, mais il n'y a pas de DMC non plus pour ça. Donc du coup, ben, ça va aller dans le bac pour lequel ben, j'ai pas de DMC. Peut-être que j'aurais dû faire le contraire en fait. Ça, ça devrait aller dans ce bac où j'ai plus de place. Voilà. Et mettre les DMC dans le bac noir. Ok, super. Là aussi, vous voyez, j'ai pas de DMC. Donc ça, ça va aller avec les strass qui n'ont pas de DMC. Là non plus. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté sur AliExpress. C'est du Capri Blue. Capri Blue AB. Hein. J'ai comme... Combien de sacs de ça? J'ai trois sacs. Donc vous voyez ça aussi. Tout ça, ça n'a pas de DMC. Pas de DMC. Non plus, non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, c'était des petits pots de DIY Moon Shop, je pense, que j'avais reçu. J'ai pas de DMC pour cela. J'en ai encore là, vous voyez. J'ai tout ça. Ok, et là, ah, il y a encore un petit pot là. Là, je vois qu'on a des DMC. Alors, en dessous de 869, qu'est-ce qu'on a là? Tout ça, non, ça, on va le faire plus tard. Ah, là, il n'y a pas de DMC. Ah mince, ça, c'est un gros strass. Ça, ça va là avec mes diamants spéciaux, donc je vais le mettre de côté, je vais le ranger après. Ça, c'est un DMC, mais on le fera dans une autre vidéo. Ça aussi, c'est dans les 3000 et quelques. Là, il n'y a pas de DMC.
815, on peut le faire aujourd'hui. Là, il n'y a pas de DMC. Là, il n'y en a pas non plus. Là non plus. J'en ai une tonne. J'ai une tonne de strass. Alors, ceux qui ont des DMC, je pense que je les ai achetés sur AliExpress. Il y avait un gros pack à un moment donné. Enfin, je pense qu'il en a encore. Hein. Je pense que c'est Moon Zero ou Moon Christine, quelque chose comme ça. Un vendeur comme ça qui vend tous les DMC en strass. Et c'est ça que j'avais acheté. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça vient de d'autres vendeurs qui vendent des strass en verre, en fait. En... Bon, je pense pas que c'est du cristal, mais ça, on va le faire aujourd'hui. Ça, on va le faire une prochaine fois. 746, on va le faire aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'ils étaient trop gros pour entrer là. Donc, j'ai des sacs à côté de moi que je vais utiliser. Là, j'ai pas de DMC pour cela. Là non plus. Là non plus. J'ai encore un Capri, là. Ça, il n'y a pas de DMC. Ça non plus. Ça non plus. Là non plus. Parce que du coup, ça va être beaucoup plus rapide pour moi ensuite pour organiser ceux qui ont des DMC et ceux qui n'en ont pas. Maintenant, je vais les avoir séparément. Là, il y a un DMC, c'est en dessous de 869. Donc, on va le faire aujourd'hui. Celui-là, ça va dans les 3000 et quelques. 801, on va le faire aussi aujourd'hui. Ça, c'est du 3000 et quelques. 792, on va le faire. Là, il n'y a pas de DMC. Là, il n'y en a pas non plus. Le 900, on va le faire une autre fois. 966 aussi. 3811. On le fera plus tard. Ah, il y a un strass qui est tombé là sur le bureau. C'est pas grave. Alors, ça, c'est quoi? 964, on le fera plus tard. Ça aussi. Ah, 964, j'en ai deux. Mais je vais sûrement pas les combiner parce que ce sont deux bains différents. 809. Là, il n'y a pas de DMC. 844, on va le faire aujourd'hui. 761 aussi. Et on va en faire pas mal quand même, hein, du coup. Là, il n'y a pas de DMC. Là, il n'y en a pas. Il y en a un, mais c'est trop haut. 839, on va le faire aujourd'hui. 741 aussi. Ça, c'est dans les 3000. Ça, ça n'a pas de DMC. 823, on va le faire aujourd'hui. Ça, les paquets que j'ai comme ça, c'est Sophie qui me les avait envoyés. Donc, Sophie, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Parce que moi, j'adore. J'adore avoir toute cette panoplie de strass pour l'incorporation dans les DP, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? 798, on va le faire aujourd'hui. 938 et 917, non, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Tout ça, c'est dans les 3000. Ça, c'est 900 et quelques, 3000 et quelques. Ah, on a 800, 818 là. Ça, ça n'a pas de DMC. Ensuite, là, on n'a pas de DMC. Ah oui, il y en a un là. C'est quoi ça? 3000 et quelques, donc non, on ne le fait pas aujourd'hui ça. Pas de DMC. Celui-là, c'est un 700 et quelques. Donc, on va le faire. Et ça va être une longue vidéo, alors, ça. 842. Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Ça peut aller avec DMC. J'ai besoin de contenants plus grands, en fait. 967, on va le faire plus tard. Tout ça, il n'y a pas de DMC. My God. C'est pour ça que j'en achète plus des strass. J'en ai trop. 791, on va le faire. J'ai pas besoin d'en acheter. Sauf des carrés, en fait. Les carrés, oui, je vais en acheter. Ça, c'est du 915. On va le faire plus tard. Pas de DMC. Si, là, il y a un DMC, mais on va le faire plus tard. Pas de DMC. Pas de DMC, pas de DMC, pas de DMC. Pas de DMC non plus. Ah, encore des petits pots de DIY Moon Shop. Voilà. 801, on va le faire aujourd'hui. Ça, ça n'a pas de DMC. Ça, ça en a un.
Ça, c'est dans les 3000. 725, on va le faire aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un truc que Jacinthe m'a envoyé. Mais c'est nickel, parce que là, j'en ai plein si je veux faire l'incorporation dans un DP. Ça, il n'y a pas de DMC non plus. Ça, il y en a un. 758. Oui, on va le faire aujourd'hui. Là, il n'y a pas de DMC. Là, il y a du DMC. Les contenants commencent à être pleins, là, en fait. Alors, là, il y en a un, mais on va pas le faire aujourd'hui. 3024. C'est comme métallique, ça. Là, il y en a un. 840, on va le faire aujourd'hui. Là, il y a des DMC. DMC. Là, il n'y en a pas. 777, on va le faire aujourd'hui aussi. Là, il y a un DMC. 783. Mon Dieu, on va avoir une belle pile, là. 762, 760. Je crois qu'à ce point-ci, je crois que je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre là-dedans ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Ça va être plus facile. Donc là, il y a un DMC, on va le faire aujourd'hui. Je regarde vite fait comme ça, voir si j'en vois rapidement là que qu'on va faire. Ça, je le vois à travers, c'est du 3000 et... Oups, ça va là. Ah, et Luna. Luna qui dit bonjour. Qui se plaint, oui. Je ne sais pas pourquoi elle se plaint. Il pleut ici aujourd'hui, donc on est à l'intérieur. Peut-être qu'elle aime moins ça, mais il pleuvait bien ce matin. 608, on va le faire tout à l'heure. Ça, non. 746, on va le faire aussi. Ça, ça n'a pas de DMC. Ça, on va le faire. Pas de DMC. Ça, on va le faire plus tard. Voilà. J'ai fait un petit peu de place, là. Ah, on a encore... Il y a quelque chose qui est tombé, là. Là, il y a encore les trucs de DIY Moon Shop. Il y en a quelques-uns. Je me demande s'il n'y a pas un contenant qui s'est un petit peu ouvert. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Là, il n'y a pas de DMC. Là, on en a. Ça, on va le faire aujourd'hui. On arrive à la fin, là, au niveau de l'organisation des DMC et des diamants qui n'ont pas de DMC. Là, 898. Non, on va jusqu'au 869 aujourd'hui. Oui, celui-là, on va le faire. On va le faire aussi. Ça, non, c'est trop haut. Ok, tout ça, ça n'a pas de DMC. 956, non. 3810, non. J'ai presque plus de place, là. C'est ça que je dis, je pense que je vais les transférer dans des sachets refermables. Parce que je garde les sachets refermables. S'ils sont encore en bon état, je les garde. Et je réutilise jusqu'à ce que ben, le sachet soit fini, là, entre guillemets. Là... 727, on va le faire. Ça, ça n'a pas de DMC. Et il reste que ça. Et ensuite, on va procéder à l'organisation dans cette boîte. Alors là, j'ai pas de DMC. Là non plus. Ça, on va le faire aujourd'hui. Ça aussi. Wow, 712, regardez ce sac, il est immense. On va le faire tout à l'heure. Celui-là aussi. DMC, pas de DMC, pas de DMC. Voilà, on a tout trié, ce qui a des DMC et ce qui n'a pas de DMC. Donc maintenant, ce que je vais faire... J'ai pas beaucoup de place qui me reste là à côté de moi, sur mon autre bureau. Alors,
on a ça qu'on va ranger là-dedans. Maintenant, ça se pourrait que j'ai déjà des DMC comme ça, donc on va voir si on peut les agencer. Donc je vais enlever le couvercle. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire en fait. Je vais prendre ma fiche ici. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais, vous voyez tout. Ça, bah, j'en ai plus besoin en fait. J'ai un stylo, j'ai des sachets refermables. Je vais en prendre quelques-uns juste là, comme ça. Et il me faut des étiquettes. Alors, je vais prendre des étiquettes. Tout est à côté de moi, en fait, dans des tiroirs. Là, il me reste quelques-unes des étiquettes. Il me reste tout ça. Et je mets du scotch par-dessus. J'ai du scotch aussi, là. J'ai tout le matériel qu'il me faut à côté de moi. Alors, du coup... Ce que je vois ici, donc par exemple le 796, je vais aller dans ma section 796 qui est là et voir si j'ai déjà récupéré du strass. Ben alors déjà, je pourrais le regarder là-dessus. 796, j'en ai pas. Et d'ailleurs, quand je regarde là, il n'y en a pas non plus. Donc déjà, je vais mettre un checkmark. Et ça, normalement, ça rentre. Ces sachets-là, ils rentrent là-dedans. Ils sont pas trop gros. Ils rentrent bien. Vous voyez, donc voilà. Je le mets là où il a besoin d'être, là, dépendamment du DMC. Ensuite, 727. Je vais mettre un checkmark. Et il va... Il va là. Le 826. Alors ça, ces sachets comme ça, ils sont trop gros pour passer là, vous voyez. Donc en fait, je les transfère ceux-là. 826 déjà, j'en avais pas récupéré. Donc je vais le transférer. Je sais pas si je vais devoir le transférer dans deux sacs. On va voir si un sac suffit ou s'il y en a trop et qu'il va falloir que je le mette dans deux sacs. Il est beau. Il est trop beau ce bleu. Ben déjà, je vais mettre... Alors, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets mon étiquette. J'ai ma façon de faire ça, là. Je mets 826... Oups, 826. Et je mets du scotch par-dessus. Pour être sûr que l'étiquette ne parte pas. Vous voyez, juste comme ça, par-dessus. Voilà. Et on va voir si on a besoin de faire un deuxième sac. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de diamants là. Voilà. Nickel, ça passe. Un sac bien plein, mais ça passe. Et du coup, le 826, il va... Il va là. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Ensuite, le prochain, j'ai du 827. Celui-là aussi, il faut que je le transfère. Parce que le sac est trop gros. Prochaine vidéo que je vais sûrement filmer le week-end prochain, on va aller dans une autre boîte et on va continuer en fait. Je veux faire d'abord tout ce qui a des DMC et ensuite on fera tout ce qui n'a pas de DMC. Ça va prendre plus de temps je pense. Donc ouais, j'essaye, chaque week-end j'essaie de filmer une vidéo, soit des vidéos d'organisation de diamants pour des projets, pour des DP ou des vidéos comme ça. Je fais ça le matin généralement, là je le fais l'après-midi parce qu'il pleut, ce matin on a fait plein de magasins. On est rentré, on a mangé le déjeuner et c'est ça. Cet après-midi, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de filmer ce genre de vidéo. 827, mince, j'ai pas de fiche pour ça. Il va falloir... Alors, attendez. Parce que j'avais créé des fiches avec vous, hein, je pense, dans la vidéo précédente. Oui, j'en ai. J'ai des fiches blanches, là. Voilà. J'en ai plusieurs. Il me faut mon stylo noir parce que ben, j'ai pris l'habitude de faire ça en noir. Donc le 827, je le marque là-haut comme ça.
Et il va ici. Ça veut dire que j'ai même pas récupéré des DMC en acrylique, enfin des ronds ou des carrés hein, de ces DMC là, mais j'ai le strass. Ça c'est rigolo. Ok, celui-là il est fait. Le prochain, on a le 794. 794, il est là. Il me fallait ici. 728. C'est un jaune, ça. Voilà. Donc en fait, j'ai tout décalé. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente d'organisation des diamants, j'ai décalé hein, toutes mes fiches. Ça m'a pris du temps, mais c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai plus de place. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. C'est que ça va pas jusqu'au fond. Ah, il y a un cardinal là qui mange dans la mangeoire. Il est trop beau. On a mis des graines ce matin. Hier. Je pense que c'est hier que mon mari a remis des graines. Il n'y en avait plus. 799. C'est ça que j'aime de faire ces vidéos. En même temps, je regarde dehors. Je vois tous les oiseaux. Je vois Alven. 746. 746. Il est là. Ça non plus, j'ai pas de fiche. Ok, donc je vais en créer une. 746. Il y a un écureuil maintenant qui se roule par terre. Je vois de tout dans ce jardin. 738. 738, il est là. Et il se lave maintenant. Il est vraiment cute. 738. C'est ça, j'ai un petit spectacle dehors là, entre le cardinal et l'écureuil. Alors, voilà. Ensuite, j'ai du 820. Le 820, il est là. Je cherche la feuille. Elle est là. Six cent huit. On l'a pas fait celui-là tout à l'heure. J'en ai déjà du 608 apparemment. Alors attendez, on va regarder dans le 608 parce qu'apparemment j'en ai récupéré. Ouais, il est là, vous voyez. Donc quand j'en ai déjà récupéré, que j'ai un deuxième sac, je regarde si ça s'agence. Et si ça s'agence, je combine. Oui, c'est la même chose. Donc je combine et je mets tout dans un sac. Ça sert à rien de garder deux sacs de la même. De la même couleur. Parce que de temps en temps, ce qu'il se passe, c'est que même avec le strass, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé. Même avec le strass, on peut avoir des bains différents. Hein. Donc, si ce sont des bains différents, je les garde dans des sachets différents. Alors, le 608, il va. Ici. Super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du 742. 742, est-ce que j'en avais déjà récupéré? Non. Il est là. Il fallait là. J'ai pas mal de diamants en normaux. En 742, je vois, ça prend beaucoup de place. Il y a un problème avec cet endroit-là, là, du truc. Je pense que c'est parce que j'en ai beaucoup en fait, c'est pour ça. Ok. Tout ce qu'on a besoin de mettre dans d'autres sacs, on pourrait peut-être les faire tout à l'heure en fait. Et vous voyez, ça, il va falloir le transférer dans des autres sacs. Parce que les sacs sont trop grands en fait. Donc, ouais, ça aussi, on pourra le faire tout à l'heure. Là, ce sont des sacs plus petits. Le 840, je vais mettre un checkmark. 840. Il est où celui-là? 839. Ah, j'ai pas de feuille non plus pour celui-là.
Mais j'en ai là dans mon tiroir. Peut-être qu'il va falloir que j'en crée d'autres. 840. Et celui-là, il peut aller juste ici. Et je peux mettre ça là. Voilà. 741. Ça va aller là. 839. Ouais, il est là. J'avais déjà récupéré des DMC, mais des DMC en acrylique ou en résine pour ça, pour ce DMC-là. 844. Ça, je pense que ça va être à la toute fin. Ouais, 844, il est là. Voilà. Ça, c'est du 761. 761, il est là. Et là aussi, j'ai pas de fiche. 761. Et celui-là, il peut aller juste là. Voilà. 762. Ça se suit. 762, il est où celui-là? Il est là. Ça va être plein ces systèmes-là. Une fois que je rajoute tous les strass, 760. 760. Est-ce que j'ai une fiche pour celui-là? Oui, j'en ai une. Il va là. Ouais, je vois quand cette section-là, elle est bien pleine. Elle est bien, bien pleine. Voilà. Ça, on va le transférer tout à l'heure. 725. Celui-là, il part un petit peu. Toi, tu veux retourner là-dedans. 725. Il est là, au tout début. Ouh. Que je dis, il y a des feuilles qui vont pas jusqu'en bas en fait. Voilà. Ah, 801. 801. Il est là. Et il y a une feuille pour ça. J'avais déjà récupéré des DMC pour celui-là aussi. Voilà, ça peut aller là. 842. J'ai une feuille pour ça aussi. Ça peut aller là. Ah, mais c'est vide, on dirait, là-dedans. Il n'y a rien là-dedans? Et non, il n'y a rien. Ça, c'est bien bizarre. Ok, j'ai créé la fiche, mais j'ai pas mis de DMC dedans. Ok. 700. C'est un joli vert, ça. Waouh. C'est trop beau comme couleur. 700... Il est... Ah non, il est là. Il va là. Voilà. Ensuite, j'ai du 793. Et le 793, je pense que... Ouais, il est là. Il est au début de la ligne. Là, j'ai du 818. Ça, c'est un rose qui est très pâle. C'est joli comme couleur aussi. 818, il va là. 809, il est là. J'en ai pas encore récupéré de celui-là non plus. 809, ouais, ça va là. Ensuite, 798.
798, je l'ai là. Un autre bleu. 792. Il doit être au tout début là. Ouais, il est au tout début celui-là. Là. Donc il pourra aller là. J'ai bien fait de tout décaler, mon Dieu. Sinon, j'aurais pas eu la place de mettre tout ça. Ça, on va transférer. Ça, on va transférer. Ça aussi. Ça, normalement, j'ai pas besoin de transférer. Ça, c'est le 797. Eh, j'en ai pas mal là. Là hein. Dans les 790, là, j'ai le 792, 93, 94, 96, 97, 98, 99. Waouh! C'est cool! Je suis trop contente d'avoir tout ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir tout ça. Ensuite, là, on a du 600. Alors, le 600, normalement, j'en ai déjà récupéré. Il est où? Le 600 en strass. Non, ça, c'est du 601. Ah, le 600, c'est dans l'autre boîte. Ok, je vais la prendre tout à l'heure, l'autre boîte. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. On va le faire après. Le 666, il me semble que j'en avais récupéré la dernière fois. Ouais, j'en ai récupéré la dernière fois. Donc, là aussi, je veux voir si je peux les combiner. Est-ce que j'avais plus d'un sac pour le strass? Non. Alors, est-ce que ça et ça... C'est exactement la même chose. Ok, donc je combine. Je mets tout ensemble. Ah, mais j'en vois un autre là. Attendez, parce que là, je vois un autre 666 juste là. Ouais, c'est la même chose ça aussi. Hein. Ok. Il n'y a pas d'autre 666 là? Non. Juste au cas où. Ok. Et du coup, ça peut aller là avec tous les... My God, il y en a des diamants de 666 là-dedans. Voilà, ça peut aller là. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on va le transférer dans un autre sac. On a le 444. 444, ça va aller dans l'autre... J'ai quatre systèmes comme ça, en fait. Avec tous les DMC. J'ai quatre boîtes. Et celle-là, elle va du 600. 1 au 869. Donc ça va dans la boîte, dans la première boîte. 815, il est là. Celui-là, j'en avais pas encore récupéré, donc il va aller juste là. Voilà. 597, j'en avais déjà récupéré. Ah, mais ça, c'est l'autre boîte aussi. Et le 163 aussi. Ok, donc ceux-là, je vais les mettre là. Et on va les faire une fois que ça, c'est fini. Alors, 720, je ne sais pas si... Oui, 720, j'en avais récupéré. Alors, on va regarder à quoi ressemble ce que j'avais récupéré. Et si on peut combiner... Ah. C'est rigolo, je vois pas de strass 720 là. À moins que c'est ça que j'ai marqué tout à l'heure, je sais pas. Non, il n'y en a pas. Ok, donc je veux juste m'assurer que c'est bien ça que j'ai vu. Ouais, 720. Ok, c'est pas grave. Donc je vais prendre une étiquette. Voilà, mais oui ou non. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle se plaint. Ça, c'est fait. Oh là là. Est-ce que ça veut tomber? Oui, ça tombe. Ok. Donc, le 720, du coup, il va là. Comme ça. Là, on a du 746. 746, j'en avais récupéré tout à l'heure, il me semble. Alors.
À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Je pense que oui. On dirait que c'est à peine différent, mais je vais les mettre ensemble. Je sais même pas si la différence va se voir sur un DP là. C'est tellement minime que... Ça, j'en ai pas mal du coup aussi. Hein. 746. Voilà. J'ai tout ça. C'est bien ça. Ensuite, ça, c'est quoi? Du 721. 721, j'en avais pas récupéré. Donc, je peux mettre ça dans un nouveau sac. 721. Voilà. Il y en a un qui ne veut pas tomber là. Allez, allez, on tombe. Non, il ne veut pas. Allez, c'est pas grave. Alors, ça, ça peut aller là-dedans. Et celui-là. Celui-là, il est ici. Juste là, comme ça. Voilà. Le prochain, c'est le 801. Le 801, est-ce que j'en avais récupéré? Oui. Ouh là là, je vais en avoir beaucoup de celui-là aussi, alors. Le 801, il est là. Qu'est-ce que j'ai pour le 801? J'ai 100. Ça, c'était AliExpress. Et ça, c'est ce que Sophie m'a donné. Donc, comment c'est en termes de... On dirait que c'est pas tout à fait pareil. Ah, quoique, c'est difficile à dire, hein, avec la lumière que j'ai. Je vais mettre la lumière là. Vous risquez de voir un petit reflet, mais pour moi, ça va sûrement être mieux. Non, c'est pas du tout pareil. Hein. Celui-là, il est foncé, celui-là, il est pâle. Donc, du coup, je vais avoir deux sachets de 800. Je vais avoir celui-là et celui-là. Je vais avoir deux bains différents. Donc, ouais, il me faut... un sachet comme ça, une étiquette. Oups, mon Dieu. 801. Ça fait du bien de ranger tout ça là, je vous le dis, parce que ça, vous avez vu, hein, c'était plein à craquer. Donc ouais, ça c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, et je le fais en fait les week-ends où par exemple, j'ai pas de revue à vous filmer ou d'organisation de diamants pour un projet que je commence. Ben, c'est ça que je vais faire. Et petit à petit, ben, je vais ranger tous mes diamants avec vous. Mince, oui, j'ai mis du scotch. J'ai mis du scotch. Là. Ok, super. Et il peut aller là. Et celui-là, il peut aller là. Donc du coup, j'ai deux sacs de Strass 800. Ensuite, le 758, j'en ai une tonne. 758, est-ce que j'en avais déjà récupéré? Non. Mais en revanche, ben, c'est ça, il faut que je le transfère. Est-ce que j'ai des sacs un petit peu plus grands? Vous voyez, j'ai tout un... Est-ce que ça, c'est un peu plus grand que ça? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est à peine un peu plus grand, j'ai l'impression. Je mets tous mes sachets refermables là-dedans, en fait. Je jette pas, moi, tout ça. Ok, je pense qu'on va... Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Ok. Alors, celui-là, je ne sais pas si tout va rentrer là-dedans. On va voir. Sinon, je le ferai en deux sacs. 758.
Ouais, il y en a de ça. Il y a 18 grammes, presque 19. 18,95. Alors, est-ce que ça va rentrer? Est-ce que tout va rentrer là-dedans? Et je pense que oui, hein. Ouais, il y a tout qui rentre. C'est un gros sac, mais il y a tout qui rentre. Voilà, 758. Vous voyez, il est pas mal plein. Et celui-là, alors, où est-ce que... Est-ce que j'ai une fiche pour ça? Oui. J'avais déjà des diamants ronds ou carrés là-dedans. Voilà, ça va là. Ça prend pas mal d'espace, mais c'est pas grave. Ensuite, le prochain que j'ai, c'est le 794. 794, on est récupéré. Donc, encore une fois, on va voir si je peux combiner ça et ça. J'ai l'impression que c'est la même couleur. C'est la même chose. Ok, donc ça peut aller dans le même sac. Tout ensemble. C'est ça que je vous dis, il y a des DMC pour lesquels j'ai des grandes quantités. Donc, si je veux faire comme beaucoup d'incorporations sur un DP, ben je vais savoir que j'ai une grande quantité pour les faire. Parce qu'une fois de temps en temps, je me demande si j'en ai assez. Mais là, avec des quantités comme ça, il y avait un DP que j'avais fait de Diamond Art Club que j'avais donné à ma petite cousine. Un DP de Jeremiah Kattner, je pense. J'avais fait beaucoup d'incorporations de strass dedans. Et d'ailleurs, ben, il m'en avait manqué, en fait, des strass verts. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme DMC, mais j'ai dû en racheter, en fait. Donc, c'est ça. Comme je dis, je peux en incorporer pas mal aussi. 823. J'en ai pas encore récupéré. Donc, ça, je vais le transférer aussi. Oups. 823. Et on va le mettre en sac. On dirait que le sac est pas mal petit là. Je sais plus d'où j'avais récupéré ces sacs. Certainement des kits, des pets que j'achète en fait. Et comme je vous dis, moi je garde tout. Hein. Mon mari s'énerve, il me dit tu gardes tout, tu vis rien. Mais non, en fait, si je peux utiliser, je vire pas moi, je garde. 823, il va là. Et c'est ça, je garde tout. Et du coup, ben, après, ben, c'est sûr que tous les espaces qu'on a dans la maison, c'est que des trucs de DP. C'est pour ça que ça l'énerve. Il y a des DP de partout dans cette maison. 792. Ou des trucs qui sont reliés aux DP de partout dans cette maison. 792, j'avais déjà récupéré quelque chose. Alors, il est là. Non, ça c'est... Ah, il est là. Ouh là là. Alors ça, c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Vous voyez comme ça, c'est deux bains complètement différents. Je pense que là, vous le voyez. Donc c'est ça que je dis. Quand il y a deux bains vraiment différents comme ça pour le même DMC, ben je combine pas. Je les mets séparément. Et ensuite, ben, quand j'en aurai besoin pour un projet, par exemple, je me dis, ah, ok, je veux remplacer le 792 en acrylique ou en résine par du strass, ben, je verrai lequel se rapproche le plus, en fait, de ce que j'ai dans le kit. Voilà. Alors ça, du coup, ça peut aller là. Un là et un là. Voilà. Le 700... Oh, pétard. Le 712.
de 112, j'en ai une tonne. Je pense que ça va aller en deux sacs, ça. Je pense pas que je vais arriver à tout mettre en un sac. Ah, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. C'est pas grave, si ça prend plus de place, ben, il va falloir que je décale ou je sais pas. Je vais trouver une façon. Alors ça, ben, du coup, je vais, ben, ouais, je vais quand même le transférer dans le plateau. My God. Il y en a une tonne. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je sais pas combien de grammes il y avait là-dedans, mais ouais. Les diamants sont magnifiques. Ils sont de bonne qualité. Et comme je dis, ça, ce sont des diamants que j'ai reçus de Sophie. Donc, je crois que ça vient de la boutique Laoji One sur AliExpress. Des DP qu'elle avait reçus. Et je pense qu'elle n'avait pas aimé le fini, en fait, du DP tout en strass. Et du coup, ben, elle m'avait proposé de... Ou est-ce que c'est moi qui lui ai dit... Ben, je lui avais dit, Sophie, je te les rachète, en fait, hein. Et elle me les avait gentiment donnés. 712. Ok. Est-ce qu'il va falloir 3 sacs pour ça? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Ah non. J'ai l'impression que ça va rentrer dans le deuxième sac. Ok, super. Deux sacs. Deux sacs de 712. Alors, celui-là, où est-ce qu'il est? Je me demande s'il n'est pas au fond, là. 704. Hé, hey, j'ai pas de fiche pour celui-là. Ok, est-ce qu'il me reste des fiches? Oui. Alors, est-ce qu'elles veulent venir, là? Parce qu'elles sont dans le tiroir, mais... Allez, viens ici, tac, comme ça. 712. Alors, cette fiche, elle va aller ici, juste après le 704. Est-ce qu'il y a des DMC entre le 704 et le 712? Non. Ça passe du 704 au 712. Il n'y a rien entre, en fait. Voilà. Et là, ça va aller ici, comme ça. Mais ouais, j'ai pas encore récupéré de diamants ronds ou carrés pour ce DMC là. Le prochain que j'ai, c'est le 783. 783, j'en ai pas récupéré encore. Je vais prendre un sac avec une étiquette. Est-ce que je l'ai... Oui, j'ai mis un checkmark pour celui-là. Je vois qu'il y a des diamants roses là-dedans, mais c'est pas grave. Parce que ça, normalement, c'est... Ben, ça, c'est un jaune, mais il y a quelques strass roses là-dedans. Et le 783, il va juste là. Il est là. J'en ai des strass, du coup. Hein. J'en ai des DMC en strass. Maintenant, je ne sais pas si tous ces DMC-là, je peux les avoir en strass. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y en a que certains que je peux avoir et d'autres non. Mais ça serait cool de tous les avoir à un moment donné. J'aimerais ça. 777. Et ensuite, je vais prendre l'autre boîte dans laquelle on va placer les 3 DMC que j'ai là. Voilà, nickel. Alors, je pense qu'on a fini avec cette boîte. Je vais juste le mettre là-dedans.
dans cet espace là. Donc on a fini avec ça. Je vais prendre le couvercle et récupérer l'autre qui est juste en arrière de moi. C'est dans un meuble d'IKEA là. Je crois que le modèle, je crois que c'est le Kallax, vous savez, le meuble avec les cases là. Et c'est ça, donc du coup j'ai deux boîtes l'une au-dessus de l'autre dans une case, et dans une autre case j'ai encore deux boîtes. Ce sont toutes les mêmes boîtes que j'avais achetées sur Amazon. Voilà, vous voyez, ça se présente exactement de la même manière, ce sont juste des DMC qui sont plus bas. Alors le 444, est-ce que j'avais dit que j'en avais récupéré? Oui, 444, il est là. Ah oui, voilà, il est juste là. Alors c'est pas la même chose, ça c'est plus orange et ça c'est plus jaune. Donc je vais les laisser dans deux sacs séparés. Ah ben cool, ça a fait une vidéo de 1 heure, ça. Nickel. J'aime ça les vidéos de 1 heure parce que pour moi, ben, ça me fait faire quelque chose. Organiser tous mes diamants. Et pour vous, ça vous fait une vidéo de 1 heure sur la chaîne. Donc ça, c'est cool. 600, j'en avais récupéré aussi. Il est là, c'est le dernier DMC. Alors qu'est-ce que j'ai pour le 600? J'avais ça. Et c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc je combine là aussi. Voilà. Là, ensuite le 163. J'en avais déjà récupéré aussi apparemment. 163, il est là. Et ça, d'où ça vient, je ne sais pas du tout. Peut-être un kit de Dreamer Designs, ça se pourrait ça. Alors, commencer en termes de bain. C'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est plus vert et ça, c'est plus bleu. Donc, encore une fois, je vais les garder dans deux sacs séparés. Et pour terminer, pour aujourd'hui, on a le 597 pour lequel j'avais aussi récupéré du strass dans ce DMC-là. Et là aussi, donc ça, c'est plus... Ça c'est plus sur... Non, ça c'est plus turquoise et ça c'est plus bleu. Bon, bien que bon, dans le turquoise il y a du bleu, mais juste ce sont deux bains séparés. Donc je vais les mettre là. Et voilà, donc pour cette vidéo, on a terminé. Et comme je vous l'ai dit, on va faire peut-être une vidéo par boîte comme ça. Donc là, il va y avoir une autre boîte qui va aller de je sais pas quel DMC à je sais pas quel DMC. Et on ira du coup à travers. Ben. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis là. Donc, vous voyez, ça ne rentre plus là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un sachet refermable que j'ai gardé d'un autre projet. Je vais tout mettre dans un sachet refermable parce que là, il y a ça. Il y en a d'autres là qui ne passent pas. Vous voyez, il y a encore tout ça là. Là, en fait, ça pourrait aller là-dedans. Voilà, au lieu de mettre dans ça dans un sachet refermable. Donc, voilà, pour vous donner une idée, on a encore tout ça à faire. Il y a encore tout ça à faire. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a des DMC. Et comme j'ai dit, ben, peut-être qu'il va falloir transférer dans un autre... Ben, pour... Oui, vous avez vu, pour ça, on a transféré dans un autre sac. Peut-être qu'on va avoir des DMC que j'ai déjà récupérés. Donc voilà, ça va faire l'effet seulement de deux vidéos. Deux vidéos séparées. Et ensuite, hein, l'autre vidéo que j'aimerais faire, du coup, c'est une autre vidéo pour... Les strass pour lesquels on n'a pas de DMC. Comme ça, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de DMC. Donc ça va aller dans un classeur. Pour que je puisse voir la couleur rapidement. Par exemple, si je travaille sur un DP et que je vois que je veux un strass de couleur bleue, eh ben, je peux toujours regarder qu'est-ce que j'ai qui n'a pas de DMC et voir si je peux utiliser ça d'abord. Donc ça, on va le ranger, mais dans le classeur que vous avez vu en début de vidéo. C'est ça que je compte faire. Et ensuite, j'ai plein de diamants en résine et en acrylique, ronds et carrés, que je veux ranger aussi dans ces boîtes. Donc, qui sait, peut-être que je vais devoir en acheter comme deux autres de plus. Je ne sais pas du tout. On va voir. On va voir. Mais voilà, donc pour cette vidéo, on a fini. Mais au niveau des liens,
il n'y a pas vraiment de lien que je vais vous mettre. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous explique comment faire ce système que je vous ai présenté juste là, vite fait. Ça vous explique au niveau des dimensions et tout. Là, je crois que je vous parle de dimensions, le matériel et tout. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous tente. Ça, comme je l'ai dit, c'est sur Internet. Moi, je n'ai pas de lien, mais si vous marquez ça sur Internet, vous allez pouvoir la trouver, la télécharger et l'imprimer. Et pour les strass, ben, comme je vous l'ai dit, il y en a certains que j'ai reçus de Sophie. Il y en a d'autres que j'ai achetés. Il y en a d'autres que j'ai récupérés de mes DP à diamants spéciaux. Donc, c'est un peu de tout. Donc voilà en termes de matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Et le plateau, j'en ai pas parlé, mais j'ai souvent la question dans ce genre de vidéo, d'où vient ton plateau? Le plateau, il vient du site Archer's Art. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo, mais je pense qu'il ne propose plus d'envoyer ses produits en France. Et c'est 10 US, je pense, un plateau comme ça. Ils sont très pratiques, ils sont très bien, moi je les adore. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!